Haïti a une possibilité pour disparaître, mais il y a une chance tout pour le pays apparaître net. Ça veut dire qui ça? Ou pas un sénateur gang dans là, ou pas un député gang dans là. Blanc sanctionne un paquet, blanc dit ou pas qu'il doit parler et ou pas qu'à parler. Oligarque corrompu, blanc sanctionne un paquet, dit ou pas financer pièce mouvement pour casser le président pays, ou pas qu'à faire. Ça veut dire qui ça? Si Gary Gonig est volonté, la gonchan libre devant, et puis juste craser, couler cette tête là seulement pour être seul comme premier ministre avec le peuple, et bien de fait, ou a dit pour diriger le pays, pour mener le pays à bon port. En entendez? Et intervention ça, et puis n'a pas avancé dans le chapitre qui est intéressant. Il a fait ses classes à la PNH, plus particulièrement dans les services de renseignement de l'institution. De l'avis quasi unanime, l'on se plaît à reconnaître la minutie, la méthode et la rigueur avec lesquelles il a dirigé la direction centrale de la police judiciaire. Ce sont, j'en doute nullement, ces qualités qui l'ont recommandé pour diriger à nouveau la PNH, après qu'il eut gravi tous les échelons de la hiérarchie à la satisfaction de ses pairs et de la société. Son retour à la tête de l'institution est avant tout la reconnaissance de ses éminentes qualités de leadership qu'il saura mettre à profit pour faire retrouver à la PNH son identité et son âme de jadis. Ensuite, son sens du commandement et de la gestion pour insuffler à l'institution qui parfois tend à se disperser vers l'objectif qui a présidé il y a 29 ans à la création de la PNH. Une institution de service public au service de la population apolitique, neutre, impartiale, dont la devise reste et demeure protéger et servir. Une fois de plus, monsieur le directeur général AI, vous venez de bénéficier de la confiance du Conseil présidentiel et du gouvernement dirigé par son Excellence le docteur Gary Gonig dans une conjoncture encore plus difficile avec des défis encore plus grands. Et ça, c'est pour le ministre là qui t'a passé et qui t'a remettre avec le nouveau directeur général de la police là, qui s'est nommé Rameau, et document ça, qui c'est lettre de nomination, du moins. Situation difficile. Et document qui ça. Là, maintenant, on attendait pour le premier ministre là, qui c'est le docteur Gary Gonig, qui te prend la parole dans un moment et séance de et installation ça. En avance. Maladie a grand pile complication. C'est bon en science, médecine scientifique à médecine feuille, qui pour mettre tête ensemble pour nous guérir. Un bon docteur, ça n'y est pour nous faire, ce diagnostic-là d'abord. Fait examen yo, tout de suite, après pour qu'on qui médicament, qui dosage n'a pas administré malade. C'est un dialogue avec concertation, nous y avons fait choix. Monsieur Normil Rameau, pour le directeur général, pas intérim la police nationale. Monsieur le directeur général AI de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti, et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder en ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution qu'est la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui le met à genoux. Les gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Point besoin de vous le rappeler, monsieur le directeur, qu'au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaure un climat de peur généralisé au sein de la population. Du citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés.
Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à des funérailles émouvantes avec la famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que cela cesse. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire face à la, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent l'appui total et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collectivement. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui, ce matin, qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous, nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à colliguer les informations, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour le rétablissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, monsieur le directeur général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Des appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. Parole hypocrite. En ces quelques semaines, je travaille à vos côtés. J'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez faits au cours des derniers mois. L'État ici ne vous oubliera pas, monsieur le budget. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel et la logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à ces grands défis. Compatriotes, membres de la police, moi, je vis là pas sous-estimé.
Mais par contre, depuis deux semaines, moi là, effectivement, moi j'ai le sentiment que n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis moi-même m'a suivi politique, des entités qui généralement a combattu une lotte, arrivé en tanyo, y arrivé font compromis son type de gouvernement de transition, y arrivé en tanyo son premier ministre, y arrivé en tanyo son gouvernement et je dis à n'arrivé en tanyo son chef de la police pour continuer le travail que DGLB fait. Me senti grand mouvement et me senti que la population commence à reprendre confiance là nous. Son gros responsabilité liée. Qu'on est grand pile là nous cap goumé depuis plusieurs années. Qu'on est grand pile là nous cap fait un pile sacrifice depuis un pile année. M'a demandé nous kembe ferme avec nous. Kembe ferme. Nous pas loin. Nous pas loin et n'a avancé. Me content pile que me gagne DG a accepté responsabilité pour le travail côte à côte même pour attaquer question insécurité à droite. Nous pas perdre une seconde. Nous pas perdre une minute. On a commencé le travail tout de suite pour nous voir qui ça nous a fait un pour nous renforcer la police là, pour nous battre la police là toute ça le besoin pour le faire travailler. Pour nous rassurer policiers, pour nous rassurer famille policiers tout qui accompagne dans le travail ça. Pour nous garder comment on a intégré l'armée mieux dans le combat pour nous mener. Comment ça me senti depuis hier m'a suivre intervention ça bon côté nouveau et alors et premier ministre là et comme si gomme senti gomme l'armée a comme si gon yo très prudent nan parler de intégration l'armée dans affaire bataille contre insécurité a premier senti pour nous garder comment on a intégré l'armée comme si franchement bon comme tout naturellement l'armée veut dire exactement ça veut dire et l'a pas l'armée il veut dire exactement moyen solide est-ce que vous parlez pour moi l'armée a moyen. Mais pour qui ça comme si m'a de la médaille pas ca opérationnel dans bataille contre gang et puis comme si gon forcing pour équipe ti voler sur côté sorti dans pays Kenya vient débarquer là tout sale tout senti fort tout voler parce que pas gagner pour venir ça pour venir faire ça vient chercher là même qui ça vient régler moi franchement m'ta ramener gon idée de ça nèg ça vient régler nous gagne la médaille là nous capable moi seulement nous besoin en tant PM là une population comme partie prenante de effort n'a faire pour nous faire toute entité l'État jouer Wallio pour nous reprendre zone métropolitaine. L'histoire me conduit une nouvelle fois à la tête de l'institution policière à laquelle toute ma vie a été consacrée. Je ne saurais prononcer mon propos de circonstance à l'occasion de cette installation sans observer une minute de silence en mémoire des innombrables victimes de la terreur des gangs armés et criminels, tout spécialement en souvenir de nos policiers et policières qui ont été lâchement assassinés, dépecés, brûlés et humiliés. Une minute de silence, je vous en prie. J'ai bien appris du passé et je suis bien conscient de l'exceptionnalité des conditions actuelles. Il s'agit de redonner le plus précieux espoir à toute une population, celui de recommencer à vivre en toute tranquillité et que le pays puisse redevenir partout, dans ses moindres recoins, un territoire vivable. La force de la loi réduira en silence l'arrogance et la terreur des gangs armés et criminels. Ils seront neutralisés et démantelés. J'adresse mes remerciements à l'excellence le président du Conseil présidentiel et les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre, Dr. Gary Conille, pour la confiance placée en moi. Je ferai en sorte de ne jamais la démériter pendant ma mission. L'orientation et les objectifs qui me sont prescrits pour le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité publique, seront ma principale boussole. Nous connaissons et puis nous conscients dans qui traille population. C'est plusieurs milliers de monde bandits criminels assassinés. C'est dividales femmes actifs qui violent. C'est plusieurs dizaines de milliers de monde qui quittent caillou, qui décapitalisent. C'est économie pays, paysans qui finit de pas finir. C'est l'école, l'hôpital,
université qui démantelé ou bien qui pas qu'à fonctionner. L'isla Kalong, nous accepté retourner la responsabilité. Nous pas qu'à dire, nous pas te connaît. Nous connaît tout temps c'est pour action. Nous pas gain ni pour nous traîner pied ni pour nous trop presser. La police et la population doivent seul pour mener combat et c'est ensemble n'a qu'à porter la victoire. Sem, frem, dame policier yo, moi sorti dans entrail la police là. Li gen 29 l'année. Moi gen même quantité l'année ça en dans li. Moi connais souffrance yo. Moi vive en mauvais condition yo. Sacrifice la vie nous vin pilou chaque jour. Bandi a criminel pa ka continue touye nous. Rache nous ak boule nous Jean Ovlé. Mais moi ça qui déjà tombé pa doué jam effacé dans institution la police là. Famille ap jwenn support qui loyauté qui pi gros sacrifice que un citoyen ak citoyen ka fè pour pays. Ça qui blessé handicapé ap jwenn accompagnement yo mérité. Nous jouons assurance, bon côté autorité, l'État central yo. Président conseil de transition, premier ministre là, yo d'accord déjà, et yo gen volant pile volonté pour yo accompagner la police là. La police là pour joindre en pile moyen pour lui faire travail. Nous bat bravo pour autorité centrale yo. Mesdames, nous tout bat bravo pour le président conseil là et les membres du conseil et le premier ministre ici présent. Même condition travail avec la vie policière yo doit changer. Améliorer c'est pral yon nan pi gros choix le bataille nous. Policiers, policières, seul le faisceau d'unité et l'esprit de corps nous aideront à gagner cette bataille qui est livré pour les criminels de tout acabit contre la population et contre l'institution policière. Nous sommes les détenteurs de l'exercice de la violence légale et légitime. Nous reprendrons le monopole aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la mission de la PNH est de servir et protéger, s'inscrit plus globalement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce fléau fait progresser dans le pays des trafics de tout genre, en particulier le trafic d'armes, de munitions et de drogue. La PNH sera en première ligne et le bras armé de la justice pour mener ce combat. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale. Médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Le Premier ministre Dr Gary Conille, le chef du CSPN, a eu à souligner que la restauration d'un climat sécuritaire doit rendre favorable la tenue des élections démocratiques et libres dans le pays. Sous mon leadership, la PNH ne sera pas au service d'aucun clan politique. Elle ne pourra pas être non plus manipulée ni instrumentalisée à des fins électorales ou clientélisme. Dans les soucis actuels, le seul impératif qui nous est imposé est celui des résultats. Parce que le principe disait, le souci des hommes, c'est le souci des résultats. Seul le travail acharné le rendra atteignable. Et la mobilisation doit être à la fois nationale
institutionnelle, organisationnelle, internationale et citoyenne. Mettons-nous toutes et tous au travail. Et c'était docteur Al-Salo, c'était nouveau directeur général PNH, qui c'est Normil Rameau, qui était président de Discoline dans le moment installation. Et il y a un peu de monde qui dit que, alors, Normil Rameau, monsieur frappe fort, monsieur plus qu'il est déterminé, oui, fort, monsieur déterminé, parce que monsieur connaît finalement en face qui s'accueille là, mais m'a dit Normil Rameau, et ça gagne l'alpha agile en pile, vous comprenez ni? Et les plus difficiles qui sont quittés là. Ça veut dire que, ou grand pile combat pour qu'on fait. Ou grand pile combat pour qu'on fait pour que nous capables d'aider la police là. La police a ganglé, gangsterisé pourri.